Non, mais je rigole, je vais pas le faire. Ce qui est très agaçant, c'est cette manière qu'ont les expositions d'art conceptuel d'avoir toujours beaucoup plus d'imagination que le public. Quand on regarde ces vases-là, qu'est-ce qu'on voit ? Des pots. Des pots bêtes, blancs. Avant, les vases, c'était quand même autre chose, hein ? Ça servait de support pour présenter des scènes épiques, des histoires mythologiques. Personnellement, je suis allé chez les Étrusques cet été, et c'est quand même autre chose, hein. On peut voir des guerriers, des chevaux au galop, des femmes nues, des hommes nus qui courent. Bon, d'accord, c'est vieux, mais maintenant, avec les vases, on n'a même plus le droit de mettre des fleurs dedans. Comme si les fleurs, c'était trop bavard. Ça, c'est une idée. Ça, c'est une idée. Imaginez un bouquet avec 100 fleurs différentes. Chacune avec son propre langage. Bon, vous avez fini, oui. Mais non, mais arrêtez, pas c'est fini. Ça serait génial. Ça serait génial. Lumière crue, braquée sur un cercle, sur une boîte, sur une pomme, sur un torchon. Parle. Allez, quoi ? Parle ! Au bout de 15 heures d'interrogatoire musclé dans un espace d'exposition, le pauvre petit objet, la pauvre petite forme, la pauvre petite chose épuisée, aveuglée, les yeux cernés, furent bien obligés d'avouer n'importe quoi. Un cercle. Ça te parle ? Une ligne, ça te parle ? Une croix, ça te parle ? Un arbre, ça te parle ? Une fleur, ça te parle ? Une pomme, ça te parle ? Un chien, ça te parle ? Une théière, ça te parle ? Un panier, un coussin, un piano, ça te parle ? Il y a des fleurs qui s'appellent les fleurs perroquets. Elles portent ce nom parce qu'elles ressemblent vraiment à des perroquets. Ce sont des fleurs à qui l'homme n'a encore donné aucun symbole, parce qu'elles sont très rares. Imagine qu'un jour, par amour, on t'offre un bouquet de fleurs perroquets. Tu pourrais leur apprendre à raconter ce que tu veux, exactement ce que tu veux. Et elle le répéterait en boucle. Elle le répéterait éternellement. Jusqu'à ce que tu trouves ces fleurs aussi bêtes que les autres. Bêtes parce que seulement capables d'un langage appris. Des fleurs dans l'incapacité de créer leur propre langage. Des fleurs seulement capable de réciter les choses qu'on leur a dit de réciter. Des perroquets. Alors, tu les trouveras insupportables. Tu jetteras le bouquet, puis le vase, et tu ne voudras plus jamais entendre parler du langage des fleurs, de la finalité de l'histoire, de la décoration d'intérieur et de l'amour. Je me suis toujours demandé ce que l'on entend par le concept de fin de l'histoire. Piano, panier, 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 piano. Panier, panneau.
Panier, piano, 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 panier, piano.